Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter les anges de la guérison et de l'espoir. Un oracle d'Hélène Valladares, illustré par Yasmine Westwood. Il est vraiment magnifique, vraiment. Alors on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Les anges, pardon, c'est ma langue à fourcher, sont des êtres divins, d'amour et de lumière. Ils nous guident, nous protègent et nous assistent dans notre croissance spirituelle et personnelle. Que vous ayez besoin de soutien, de guérison ou simplement d'inspiration, plongez dans cet oracle céleste et connectez-vous à ces entités pleines de sagesse pour recevoir leurs messages d'amour et leurs conseils avisés. 44 cartes et un livret de 112 pages. Quelques exemples de cartes là. Voyez, vraiment très beau. Il est au prix donc de 24,90 aux éditions Erol. Donc voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. On a une petite citation. Que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci de votre aide, votre soutien et votre créateur. Réconfort, pardon, nasmaté. Alors, on va regarder ensemble le petit livret et les cartes qui sont, vous allez voir tout à l'heure, splendides. Donc là, c'est le petit mot au cas s'il y a un problème. L'intérieur est blanc. Il y a le petit ruban pour attraper le jeu. Voilà. Alors, le petit bouquin est en couleur, le dos est comme ceci. Les anges de la guérison et de l'espoir. Hop, on a un sommaire. Ah, bienvenue dans l'oracle des anges de la guérison et de l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Les anges. Je vous laisserai la liberté de lire ça. Conseil pour utiliser les cartes de l'oracle, les anges de la guérison et de l'espoir. Préparez votre oracle. Étape de lecture des cartes. Voilà. Alors. Donc en fait, je cherchais. Exemple, étape de lecture des cartes. Donc, créez un espace sacré, purifiez vos cartes, centrez-vous. On peut tirer une carte pour une question et une carte sauteuse. On peut lire les cartes pour une autre personne. Donc, voilà le message des cartes. Alors, on a la représentation de la carte en couleur, le numéro et le nom. Très très beau, c'est vraiment très très beau, et on a ça pour toutes les cartes. On a une petite phrase en dessous, sélection de la playlist relative aux anges. Alléluia, Do Wonder. Donc voilà pour toutes les cartes. On a un petit mot à la fin. Vous pouvez aussi inventer vos tirages, en faire. La carte du jour, passé, présent, futur. Prendre l'exemple sur un autre oracle. Sur l'auteur et sur l'illustratrice. L'illustratrice, j'ai la langue qui fourche. Alors, nous allons passer aux cartes. Voici le dos. Alors, magnifique. Les tranches sont dorées. Génial. Franchement, génial. Voilà. Alors, je m'en suis déjà servie. Donc, alors elle glisse très bien. Vraiment, elle se mélange super bien. Donc voilà. Voilà les cartes. Privilégier les soins personnels. La liberté. Regardez comme c'est beau.
don et bénédiction. C'est vraiment magnifique. Ce jeu est magnifique. Ayez la foi. Regardez-moi celle-là. Magnifique. La guérison. C'est quand même un univers assez féerique. On voit des licornes, des... C'est vraiment... voilà. Un bonjour de l'autre côté. Elles sont splendides ces cartes, franchement. Appuyez-vous sur moi. Un peu, ça fait penser aussi à un univers religieux. Apprendre et enseigner. Magnifique. Laissez entrer l'amour. Laissez libre cours à votre créativité. L'élément feu. L'élément air. Comme je voulais le dire tout à l'heure, elles ne sont pas dans l'ordre vu que je m'en suis déjà servi. Les anges de l'abondance. Mais ça ne fait rien. Vous pouvez profiter de toutes les cartes, c'est ça le principal. Les anges de l'alchimie. Magnifique. Les anges de la paix. L'élément eau. C'est-il pas beau? Ça rime. Vous êtes un ange sur terre. Aujourd'hui, nous n'avons pas ma petite malice pour nous accompagner. Vous êtes magnifique. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Que la fête commence. Détendez-vous. Les messages sont très parlants. Amour et gratitude. Faites un vœu. Regardez comme c'est beau. Alors là, on a une carte à l'horizontale. Faites une pause et réfléchissez. Demandez un signe. L'éveil. Splendide. Croyez au miracle. Et oui, et pourquoi pas. Désencombrez. Si vous avez du rangement à faire chez vous. Connexion avec les animaux. Magnifique. Dansez avec la vie. Ce jeu est vraiment très beau. Le temps du rêve. Des moments précieux. La résilience. C'est vraiment... On en prend plein la vue. Hein. L'élémentaire. C'est très féerique. Embrasser la nouveauté. Puis je trouve que, ouais, ça... J'aime beaucoup les petites phrases. Ça me parle. L'amour de l'âme. Déployez vos ailes. Le guerrier de la lumière. Vous y êtes presque. L'autocompassion. Une âme sensible. Apaisez votre âme grâce à la musique. Les anges vous entourent. Et enfin, laissez-vous porter par le courant. Alors, on va en tirer une petite. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des illustrations, mais je les trouve tout simplement splendides. Vraiment. Elle vient juste d'arriver, ce serait un peu trop facile. Alors, elles... Ah, bah décidément. Elles sont vraiment très belles. Et elles glissent super bien, on les mélange bien. Désencombrer. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui veulent faire du rangement. Désencombrer. Intéressant. Alors, on va voir le petit message que ça nous donne. Alors, la 8e carte, désencombrer. Alors, les anges disent ceci. Le moment est parfait pour désencombrer votre espace physique.
Celui-ci, à son tour, vous aide à désencombrer votre énergie mentale et spirituelle. Oui, c'est vrai que des fois, quand on fait le vide chez soi, on a l'impression que ça fait aussi un peu le vide au cerveau. Enfin, voilà, je vois ça comme ça. Comme l'élagage d'un arbre, se débarrasser de poids anciens et morts permet une nouvelle croissance, expansion et vitalité. Les anges ne veulent pas que cette tâche, excusez-moi, je regardais en même temps l'écran, vous paraisse écrasante. Ils affirment que choisir ne serait-ce qu'une seule activité, se débarrasser d'une pile de documents, supprimer d'anciens emails, désherber un jardin, vous apportera un soulagement bienvenu. Je suis complètement d'accord. Appréciez le processus consistant à abandonner consciemment toute possession physique ou autre prêt à être libéré. Parmi les récompenses, clarté, nouvelle avancée dans un domaine où vous vous sentiez précédemment coincé. Réception de réponses à des questions ou à des difficultés. Demandez aux anges de vous rejoindre pour désencombrer de façon amusante et consciente. Surveillez la manifestation de révélations en chemin. Ce message vise également à purifier l'énergie au sein et autour de vous. Utilisez la sauge, une prière ou une intention et invoquez l'archange Michel pour évacuer d'anciennes énergies plus denses et imprégnées. Vous êtes votre être, pardon, et votre foyer d'une lumière vive et pure. Ensuite, les entités vous demandent de trouver des moyens de rendre votre espace environnant, c'est ça, plus beau, sacré et confortable, en ajoutant des éléments spéciaux, source de joie et de plaisir. Laissez votre espace paisible être un rappel extérieur qui reflète l'affection et la sagesse pure et limpide lovée en votre for intérieur. Voilà, donc la vidéo est un petit peu courte, mais enfin je voulais pas vous donner un maximum d'informations pour au final aller au vif du sujet, c'est-à-dire la beauté des cartes, l'interprétation. Donc comme je le disais, vous pouvez faire vos propres tirages. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la beauté de ce jeu, mais je le trouve vraiment magnifique. Les illustrations pleines de détails et de féerie. Ouais, et puis très 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 parlant. Chaque carte désigne un message différent et vraiment, ouais, vraiment c'est très très intéressant. Donc voilà pour la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous pour vous dire à la prochaine vidéo. À bientôt!